Következő hozzászólónk Bilde képviselő asszony, egy percben. I'm sorry, I didn't understand. I'm sorry, I didn't hear. Merci, Madame la Présidente. S'il est évident que de nouvelles règles sont à mettre en œuvre, cette bataille de droits d'auteur s'inscrit parfaitement dans l'opposition entre les défenseurs de la nation et les mondialistes. En effet, l'UE cherche à faire disparaître les particularismes nationaux au profit d'un commerce mondial sans règles. Briser les barrières nationales en matière de réglementation du droit d'auteur et de la protection des données, comme Jean-Claude Juncker l'a demandé, implique toujours moins de contrôles et de restrictions. Cela avantagerait bien évidemment les grandes multinationales, telles que Google ou Amazon, qui pratiquent déjà allègrement l'évasion fiscale en Europe. C'est à ce titre que j'avais interrogé à l'époque le commissaire à la culture sur les pratiques fiscales des plateformes de vidéos à la demande. De plus, il nous faudra trouver un environnement protecteur envers les créateurs et les petits auteurs, tout en permettant de s'exprimer librement sur Internet. En effet, la propriété intellectuelle est devenue une arme politique et c'est sous ce prétexte que l'on peut demander à des internautes de retirer des vidéos critiques. Cette évolution ne doit pas ouvrir la voie à une UE sans frontières et doit laisser la possibilité pour les États membres de continuer à légiférer en fonction du respect de la conservation et de la promotion de son identité. Köszönöm, következő hozzászólónk, Angelika Niebler képviselőasszony. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die europäische Urheberrechtsrichtlinie stammt aus dem Jahre 2001. Wir müssen das Urheberrecht